Le Parlement européen est composé en 2023 de 705 membres élus dans les 27 États membres de l'Union européenne. Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel direct pour une période de 5 ans. Les sièges sont attribués en fonction de la population de chaque État membre. Le traité encadre cependant fortement le processus d'attribution des sièges puisqu'il y aura maximum 705 membres avec maximum 96 sièges par pays et minimum 6 sièges par pays. 6 est le minimum pour garantir que toute la gamme des opinions politiques dans les plus petits pays est représentée, et selon la méthode d'Hondt utilisée, les États moins peuplés sont donc surreprésentés. Il y a plusieurs raisons à cela. Les États membres de l'Union européenne partagent ou mettent en commun leur souveraineté. Il s'agit donc de donner proportionnellement plus de députés européens aux plus petits pays, et cela garantit ainsi que leur voix soit également entendue. Par ailleurs, un système strictement proportionnel au ratio des petits pays poserait des problèmes pratiques en termes d'accueil du très grand nombre de députés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.